Bonjour chers frères, bonjour chers sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, nous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons, c'est pasteur Gisnak Célestin, responsable et montagne El Chama, c'est l'île des prières. Et vous connaissez que nous gagnons une étude que nous avons fait sur la société, sur la société, qui c'est étude biblique. Étude biblique qui est basée sur la société, les grands besoins de l'homme, ou bien la grande besoin de l'homme. La grande besoin de l'homme sur les plans spirituels. La grande besoin de l'homme sur les plans spirituels. Ce matin, on a fait un coup de lecture avec vous dans le livre Matthieu, chapitre 5, et verset 1er, pour arriver le verset 12. C'est là. N'a étudié avec au matin hein? Notre sujet qui se les attitudes et les attitudes matin les attitudes. OK, notre thème c'est nous connaît ce les grands besoins de l'homme. C'est thème que n'a traité pendant tout mois de mai, mais matin c'est les attitudes, les béatitudes. C'est notre sujet pour ce matin. OK. Voyons la foule, Jésus monta la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, et il est enseigné et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les premières béatitudes ce matin, c'est heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. C'est premier béatitude pour ce matin. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux pour tout le monde qui connaît les pauvres en esprit. Qui connaît les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume bon Dieu, c'est pour eux la pied. La deuxième béatitude, heureux les affligés. Les affligés. Heureux les affligés. Les gens qui affligés sont heureux pour nous, car ils seront consolés. Tout le monde qui affligés, bon Dieu gagne pour consoler nous. Selon Matthieu chapitre 5 verset 4. C'est la deuxième béatitude. La troisième béatitude, heureuse les deux bonheurs. Heureuse les deux bonheurs. Car ils hériteront la terre. La troisième béatitude. Les quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Vous connaissez un peu le monde qui soif justice. Exemple, peuple haïtien, nous vivons dans un grand moment. Pas de monde en Haïti qui pas soif. Béatitude ça. Parce qu'il n'y a pas de monde qui pas soif. Pas de monde qui pas grand goût. Pas de monde qui soif sécurité. Nous payons pas de cher. Nous avons faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous pas qu'à jouer une sécurité. Nous pas qu'à marcher, aller nous voulons. En bien la parole de Dieu a dû, selon Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Chers frères, chers sœurs, nous gagnons pour nous rassasier. Le cinquième béatitude, heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le septième béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tout le monde qui a le cœur pur, il a gagné pour être bon Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir un vieux cœur, un cœur mondain, un cœur méchant. Mais heureux ceux qui ont le cœur pur.
Le huitième béatitude, heureuse ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Quel que soit le monde qui aime la paix, qui va aimer vivre dans bon bosch, qui va aimer à mener une vie hing hang, yo gagne, yo c'est petit bon Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu, petit bon Dieu. Le neuvième béatitude, heureuse ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Chers frères, chers sœurs, heureuse pour nous qui persécutés pour l'évangile, heureuse pour même cap et travail pour bon Dieu, persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Le neuvième béatitude, heureuse, serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement, vous tous sortez de mal à cause de moi. Heureuse pour vous-même. Yo dit tout bagay de ou, parce que ou a pas adoré bon Dieu, parce que ou a accepté Jésus comme sauveur et maître. Amen, chers frères, chers sœurs, bien-aimés, après toute bagaille ça, après toute les béatitudes ça, selon Matthieu chapitre 5 verset 1 et 2, nous allons béatitude ensemble en résumé. Heureux les pauvres en esprit, c'est les premières béatitudes. Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont procuré la paix, heureux ceux qui ont persécuté, heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage. Chers frères, chers sœurs, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chers frères, chers sœurs, pas inquiétez, parce que Christ est passé plus. Pas inquiétez, parce que Jésus qui est venu mourir sur le bois du calvaire pour nous, il était craché dans la figure, il était persécuté.